toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur le circuit de Chennevières avec Cédric. Salut Cédric. Salut Loïc. Et bah aujourd'hui on va présenter ta caisse, ouais, une petite MR2. C'est ça. Track Tool, donc vraiment uniquement pour le circuit. Donc voilà la caisse, elle est folle. Elle est folle, il y a trop de trucs à dire en fait. Yes. Ouais, là, là c'est fou là. Ouais, petit à petit. Faut qu'on en parle vite fait. Et en plus tu m'as réservé une surprise, tu m'as dit que j'allais tu la rouler. Ton petit circuit. Tour. Ouais, ça va. Et en plus je suis nul, je connais pas les trajets, je connais pas le circuit. Tu connais, ouais, de toute façon après on ira faire les tours de chauffe. Ouais. Et tu l'auras toute chaude pour toi. Bah nickel. Faut que j'enregistre les trucs là. Mon cerveau il est. Non, il soit à fond. De toute façon après tu iras tranquille. Hein. Ah bah oui, mais faut que j'enregistre les trajets, tu vois. On poussera Jérôme, t'inquiète. Ouais. Moi je suis pas sûr, on m'a vu comment je roule, mais bon. On verra. Tu vas bien kiffer quand même. Ouais. Bon, du coup, déjà le truc qui saute aux yeux, des élargisseurs d'ailes. Ouais, des petits fenders en 90 mm du coup. Bien évidemment, pour ajuster tout ça, il a fallu des cales. Hein. Bah, des cales, des grosses jantes, des gros pneus. Je voulais absolument ces fameux Koenig Hypergram qui sont très légères. Je pense qu'on peut pas parler de tout, on va parler des trucs principaux du circuit. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, les pneus. Les pneus. Bon, ceux-là, ceux à l'avant, les Proxxas R888R, je suis pas trop fan. Ouais, t'es pas fan. AR1 du coup. Ouais. Mais ça reste des bons pneus, c'est juste que. Ils étaient plus chers que les AR1, donc ça valait pas le coup. Voilà. Non, sinon, après des pneus en termes de largeur, on a 245 derrière, donc il y a de la motricité. C'est quand même large pour des petites jantes en 15 pouces. Ouais. L'aileron de malade, bon, on va parler de l'aileron en vrai. Il y a tout en fait, il n'y a rien qui est d'origine, tu vois. Les rétro, l'aileron, t'as les écopes qui sont plus grosses. Ouais. Donc on a modifié l'admission hier, donc on a fait une petite plaque. Putain, l'aileron il est fou. Avec le double aileron là. Le petit truc là pour pas qu'il y ait de perturbation là. On est sur quelque chose fou. Là c'est fat. Je voulais absolument celui-ci. Ouais, c'est l'aileron définitif, c'était celui-là. En même temps, il est fou. Le pare-choc arrière où il y a des trous partout. On peut passer la main. Faut mettre les grilles. Partout. Boulot, ouais, mais c'est fou. Franchement. Les petites grilles à rajouter. Ouais, la baie moteur. Stock, monsieur l'agent. Ah oui, tout d'origine. Ouais, il n'y a plus rien là-dedans. Il y a juste le volant moteur allégé, bon, bah, l'échappement et puis l'admission l'air. Mais bon, on est à quoi? Maximum 150 chevaux. Ouais, barre de anti-rapprochement, t'as fait des réglages. Ça, c'est ce qu'on a fait hier. On a fait une plaque en alu qui revient et qui vient boucher toute l'admission. Donc, pour qu'il y ait uniquement l'air qui vient de l'écope qui va sur le filtre. Les freins, sur le freinage, on est sur de l'origine. D'origine, juste du Ritavia. Disque origine, ouais, on a juste les du Ritavia avec du RBF 600, bien sûr. Ouais. Donc les plaquettes, les jantes, elles sont belles. Je suis en train de tester les Blue Stuff. Ouais. Donc à l'avant, et ça freine très très bien. Franchement, je suis pas déçu. À l'arrière, bon, là, on est en train de terminer les Yellow. Voilà, il y a les PBS pour Ritz après à mettre. Mais on était sur du RC6 et ça freinait très très bien aussi. Donc, pour le coup, RC6 et Blue Stuff, j'étais surpris, j'ai pas senti de différence. Mais sinon, ouais, plaquettes, des bonnes plaquettes, des disques d'origine, ça suffit largement avec. C'est une voiture légère, donc ça doit aider. Hein. C'est ça. Ouais, elle doit faire à peu près une tonne, je pense. Ouais. Pareil, t'as une batterie lithium, je crois. Non, même, bah, on est non, sur une batterie Odyssey, une batterie sèche. On est sur quelque chose un peu plus léger, oui, mais pas énorme. Ouais, c'est quand même, elle est toute petite. Hein, regarde la diff compte entre ça et une batterie d'origine. Les barres anti-rapprochement avant et arrière. C'est ça, il y a on avait vu barres sous châssis, barres anti-roulis plus grosses. Ouais, barres anti-roulis plus grosses. On a mis sur quel on est parti sur quelque chose. Et pareil, les billets de barres stables réglables. On est sur quelque chose de vraiment optimisé châssis à fond. Bon, il y a encore du taf. Hein, mais... Niveau moteur, t'es d'origine, mais niveau châssis, t'as fait là les trucs de fou. Quoi. Châssis, ouais. Ok. L'intérieur, du coup. Je te laisse rentrer. Ouais. L'intérieur. Donc, intérieur de porte, finition Alcantara. Il n'y a rien du tout, juste la petite poignée là qui va bien. On a un fan de Lady Subi ici là. Un gros fan. Ouais, l'intérieur il n'y a plus rien, même les passages. Pour l'instant, la maquette elle est encore présente parce que j'avais pas envie de démonter les sièges. Ouais, et puis même là, t'as quand même perdu pas mal de poids des jambes dans ça. Le volant, il n'y a plus d'airbag. Les rétro tuning à l'époque là tu vois tout à l'arrière avec mais ça. Là franchement c'est un truc de malade, tu vois vraiment tout. Parce que du coup tu venais de le monter. Ouais, c'est là on l'a essayé pour la première fois du coup et franchement c'est une tuerie. Certes c'est moche mais c'est pratique. Bah ça va je trouve moi, ça me choque pas trop. L'arrière, il y a rien du tout. Voilà. Juste un filet. Mais ouais. Les harnais, les sièges d'origine qui sont super déjà de base. Et puis voilà.
les harnais obligatoires parce que c'était une horreur, je me calais contre les portes et tout, ouais, bah, j'avais les genoux. Mais même là, l'autre coup j'avais roulé avec toi et ouais. C'était à l'époque, on s'est fait sortir parce que ton échappement avait pété, du coup exact, on faisait trop de bruit. Ouais. Mais mec, j'avais les harnais serrés au max, mais je giclais dans tous les sens, tu roules comme un barbare. Mais c'est vrai. Bon, c'est vrai que je suis pas réputé pour être tout. Ça reste une bonne voiture en fait, en termes de rapport qualité-prix, à l'époque bien sûr, parce qu'aujourd'hui elle a pris le double de sa cote. Hein. Donc, en plus d'avoir, c'est le genre de choses que tu pouvais trouver à 2 500 € à l'époque. Quoi. 2 500 donc, balles pour une caisse comme ça à l'époque. Clé en main, papier français. Ouais, enfin, voilà. Papier français et tout, maintenant c'est du 7 000 je crois, à l'heure donc, actuelle où on fait la vidéo. On est à 6 000, une propre, propre, ouais, c'est 6 000, et quand je suis à gauche, bon, on a passé les 10 000 bien sûr. Ouais, bah oui. Donc, t'as fait une bonne affaire, quoi. Un peu comme moi avec ma RX-8, ouais. Quoi. Pas oui, du pas ça, cher. C'est ça. On les achetait à l'époque où les RHD ça coûtait rien. Ça coûtait rien. Bon, maintenant, c'est plus pareil. C'est vrai, elle est un petit peu sous-cotée cette voiture, elle a été un petit peu critiquée parce qu'elle a pas les fameux pop-up de la modèle. Oui, bon, après, d'avant. Ça c'est. Voilà. Ça reste une bonne petite voiture pour le circuit clair. Moi perso, j'adore. Tout le monde l'appelle un peu la petite Porsche. C'est la Porsche. La Porsche du pauvre. Ça va être, je pense, la première partie du coup, ça va être toi qui va rouler. C'est ça. Donc on va voir comment il roule comme un barbare. Ah ouais, du coup... Et après moi je vais la rouler en faisant attention à pas l'abîmer. Ouais, t'inquiète, ça fera. Et... Je te guiderai. Ouais, tu m'apprendras si en plus. Si je vois que tu viens trop vite, je te le dirai. Ouais. Et puis ce qui est bien, c'est que aussi tu pourras m'apprendre parce que je suis pas un fiestard moi. Et Schoenvier, tu connais pas ça. Et Schoenvier, le circuit, je le connais zéro, je vais essayer de... De mémoriser quand tu vas rouler, ça va être compliqué de filmer et mémoriser. Donc je vais filmer, je pense, un tour ou deux. Ouais. Enfin, un tour ou. C'est pas mal, hein. Un bon tour. Ouais, 2 minutes autant au tour, 1,56 le meilleur. Mais, Je vais filmer un tour et après je mémoriserai, je serai à fond dessus et puis après tu filmeras un peu. Exact. Je vais rouler. Ouais. Je vais essayer de tenir. Du coup, moi, c'est la première fois avec la caisse là et toi, ce sera la première fois avec la caméra là. Donc, fois, en cas passager surtout. J'ai en tant que passager, j'ai dans jamais ta prêté ma caisse à quelqu'un. Ça, c'est un grand engagement. Ouais, ça, ça ne stresse pas trop. Un petit peu. Ouais, normal. Faut dire ce qui est. Normal. Ouais, je m'y attendais pas. Moi, je venais, je savais même pas que t'allais. T'allais faire rouler. Hein. Tu m'avais dit, mais je pense pas que ça allait être maintenant. Non, si, ça va être là. Ouais. Parce qu'en plus, pour la petite histoire, t'avais laissé un commentaire sur une de mes vidéos. Je vais le mettre en screen maintenant. Et c'est parti de là, tu vois. Et effectivement, on va partir sur. Ouais, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter l'essai, au moins, comme ça, ça te fait plaisir. Ouais, ça serait fou. Bah, ça me fait vraiment plaisir, en tout cas, merci beaucoup. Et voilà, comme ça, on pourrait la tester dans son milieu naturel. Et ouais. En plus, ouais, une belle présentation de la petite voiture là. Donc voilà. Non, ça va être cool. Bon, du coup, premier test où c'est toi qui roule. C'est ça. Donc là, on va voir déjà le chef qui roule, et après, bah, tu vas m'apprendre comment on roule avec ta caisse. Hein. Ouais, ça marche, pas de soucis. Bon, tu verras. Elle est assez fiable comme voiture en termes de comportement. Ah, c'est cool. En plus, t'as la belle GoPro là, tu vas pouvoir me filer quelques plans. Là. Exactement, je te donnerai tout. Je vais te piquer ta carte SD là. Ah, ouais. Tu dis que le Mac Extreme là, il est collé à la ceinture du harnais. Oh. Ah, c'est sportif. Hein. Bon, la Mini la plus puissante, hein, c'est celle-là. La bleue. De la bleue. Là. Thank you.
Même les protos, tu les rattrapes, gros. Mais il roule pas aujourd'hui. C'est parti, bah ouais, c'est parti. Ouais, okay. On rentre et c'est parti. Il faut que je fasse chauffer un peu les pneus. Ouais. De toute façon, moi, je vais. Je stresse, mec. Ça va aller. Bah, tu vas tranquille, tu verras. Hein. Tu stresseras plus quand tu seras dedans. Ouais. Oh la vache. C'est ça ma voiture. Pas abusé. C'est vrai qu'elle glissote un peu là. Bah, tu peux suivre. Hop. Putain.
des bonnes phrases. Ça va, je l'ai su en vrai. Hein. Après, il y a le mec qui annonce pas là. Donc il laisse passer le mec. Tu te filmes ça. Et une voiture en moins, une. Tu fais le même chrono que la mini grise. Ouais. Ouais, mais il est bloqué depuis tout à l'heure. Il est mal pris ce virage là. Voilà. Vas-y. T'as vu, tu peux la jeter. À chaud là, elle est ultra saine, c'est un bonheur. Elle est vraiment super cool à rouler. Elle tient la route. C'est plus tenir la route, elle est collée au sol. Ouais, c'est pantoufles. Mais franchement, t'arrives à voir les. J'arrive à la faire glissoter sans être en stress. Elle part tout doucement. Elle est ultra saine, c'est vraiment ultra cool idéal. Vraiment, ta config, elle est vraiment bien faite. Et tu te dis que t'étais sûrement qu'à la moitié de la performance de la voiture. Ouais, c'est fou, je trouve. Bah du coup c'était une super vidéo, merci Cédric de m'avoir prêté ta voiture pour ce circuit, de m'avoir montré ta caisse. C'était un grand plaisir. Franchement, merci, ça me fait un beau cadeau de Noël. Et elle est vraiment super agréable à rouler. Elle est vraiment, ça fait plaisir d'avoir un avis extérieur. Cool. Et comme ça t'as pu voir aussi l'extérieur, ce que ça donne en passager quoi. Mais t'as vu, ça se coupe. Hein. Ça secoue énormément. Ouais. Et pourtant, tu dis que. Bah, tu fais les coups de volant là. Je vois très. En fait, c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris l'accroche qu'elle avait. C'est quand tu la faisais chauffer à fond. Dans ma tête, j'ai dit. Quoi ça en fait. Et effectivement, c'est là que je me rends compte. En passager. Elle est folle. Hein. Elle est folle. Je fais un petit plan pour remontrer un peu l'esthétique de dehors là. Avec le fan de Lady Soubi là derrière. Sur la passée. Et oui. Non, c'est une pièce de fou. Hein. Et voilà, tout ça pour dire merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous là, sérieux, c'est une vidéo de fou. Faut vraiment que vous abonnez, que vous lâchez un like et partagez la vidéo. Je le dis pas assez, partagez. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Merci bon. Loïc. A plus. A plus. Ciao. Ciao. Coucou les petits agneaux. Ça va. Tout plein de bisous. J'ai dit gueule, hein.